tous les citoyens européens bénéficient d'un même accès aux médicaments innovants. Et bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'en est rien. Les groupes pharmaceutiques négocient avec les pays, mais des tractations secrètes, ce qui permet aux labos de pratiquer des tarifs très différents. C'est ce que révèle le collectif de journalistes d'investigation Investigate Europe, spécialisé dans les affaires européennes. Exemple, 54 000 personnes souffrent de mucoviscidose sur le continent européen. Des médicaments existent, mais ils sont très chers et donc inaccessibles pour certains malades. Reportage Maxence Peigné. Comme de nombreux enfants atteints de la mucoviscidose, Milda subit au moins 2 heures d'inhalation par jour pour libérer ses poumons. Depuis 2012, des médicaments révolutionnaires sont disponibles dans l'Union européenne, comme le Kaftrio. Mais tous les États ne le remboursent pas. C'est notamment le cas de la Lituanie, où vit Milda. C'est insensé de voir que d'autres pays ont accès à ces médicaments miraculeux alors que nous sommes laissés pour compte. C'est une maladie progressive qui s'aggrave avec les années et ma plus grande crainte, c'est que ma fille souffre et meure dans mes bras. Aucun parent ne devrait vivre ça à cause de la cupidité d'une entreprise. À l'instar d'autres pays européens, la Lituanie peine à faire baisser les prix de Vertex Pharmaceuticals, le labo américain qui dispose d'un monopole sur les traitements contre la mucoviscidose. Vilnius a récemment annoncé vouloir rembourser le Kaftrio, mais aucune date n'est encore prévue et Milda n'y aura pas accès. Vu son coût, le médicament sera réservé aux plus malades. Le budget prévu par la Lituanie représente 175 000 € par an et par patient. C'est bien plus qu'ailleurs dans l'UE. En épluchant les comptes de Vertex et les données publiques, Investigate Europe estime que la France paye en moyenne 71 000 € et la Pologne 109 000 €. Pourtant, le Kaftrio ne coûte pas si cher à fabriquer, d'après ce chercheur britannique. Nous avons un logiciel où l'on peut suivre les exportations de médicaments contre la mucoviscidose depuis leur sortie d'usine en Inde. Et si l'on se base sur ces prix, ils ne coûtent que 5 000 $ à fabriquer, profit inclus. C'est scandaleux qu'un labo cherche à obtenir des prix qui sont inabordables alors que des enfants meurent. Lorsque l'UE autorise un nouveau médicament, elle offre à son fabricant un monopole sur l'ensemble du territoire. Sauf que chaque État membre doit ensuite négocier séparément des prix tenus secrets avec les entreprises. Et c'est le cœur du problème, selon cet expert des sujets de santé. Le secteur pharmaceutique a un objectif simple, rentabiliser son investissement le plus rapidement possible. Et pour ce faire, il privilégie les marchés qui paient beaucoup d'argent. Certains États membres, qui sont des puissances pharmaceutiques, ne vont évidemment pas à l'encontre de ce principe, car c'est dans l'intérêt de l'industrie, et ce, au détriment de tous les autres pays. Dans un communiqué, Vertex réfute les estimations que nous lui avons soumises. L'entreprise affirme que le prix de ces médicaments est déterminé par les milliards investis dans la recherche et par les bénéfices qu'ils apportent à la société. Pour la petite Milda, ces bénéfices sont encore loin. Elle fait partie des 88 % de malades n'ayant toujours pas accès au Kaftrio dans le monde.